digne de recevoir honneur, louange, gloire, majesté, souveraineté, adoration, admiration, acclamation d'un cœur reconnaissant, sagesse, richesse, honneur, gloire, passion, le meilleur de notre dévotion, le meilleur de notre admiration, le meilleur de notre dévouement. Tu es digne de recevoir toutes ces choses. Nous t'acclamons, nous te célébrons. Alléluia! Bonsoir à tous et soyez bénis en Christ Jésus. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Croire pour vivre, votre nouvelle émission gospel exclusivement sur Canal 7, la chaîne de télévision panafricaine qui voit l'Afrique autrement. Ici, dans votre émission Croire pour vivre, nous avons une devise. Nous disons, faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. Come on! Yes, we got it! Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour ce peuple merveilleux? Ouh! Alléluia! Oh, acclamons le Seigneur, oui, vous êtes bénis, vous et vos familles. Merci de ne pas avoir eu peur de venir à la télévision. Alléluia! Avant que de poursuivre, toute l'équipe de Croire pour vivre, en tête desquelles moi-même, souhaiterions adresser nos plus vifs remerciements à la direction de Canal 7. Grâce à elle, ce qui hier était un projet est devenu une réalité, une aventure que nous commençons ensemble. Et je suis convaincu que nous vivrons ensemble de belles choses. Nous remercions aussi très chaleureusement Projet Maison, notre sponsor d'éco-plateau, SBTP Menuiserie, qui répare pour nous tous nos soucis de menuiserie, AS Gabon, qui a pourvu à notre fond de scène. Et de manière tout à fait personnelle, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour des pères. J'ai cité le révérend Augustin et le révérend Francis Michel Badinga. Que Dieu vous bénisse. Salutations très respectueuses et très distinguées aux pasteurs Ivan et Yves Castanou, à leurs épouses et à l'ensemble du collège pastoral de l'église Impact Centre Chrétien ICC. Et naturellement, à l'église tout entière. Un big love you à toute l'assemblée. Et enfin, encore, merci à vous, mes fans, si je puis le dire ainsi. Il s'agit de vous qui nous suivez sur Facebook, vous qui nous suivez et nous portez dans vos prières. Que Dieu vous exauce dans vos défis de chaque jour. Enfin, je vous prie, aidez-moi à acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia! 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 Amen. Dans ce mois de décembre 2014, nous nous édifions, nous parlons et nous partageons sur le thème « Découvrir son potentiel » ou encore « Découvrir ses trésors ». Nous avons introduit notre thème sur les 5 questions qui motivent tout individu sur Terre. Je les énumère encore. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi je suis là? Ici, maintenant, dans ce temps, sur cette terre. Que dois-je faire dans ma vie? Ou qu'est-ce que j'ai? Comment est-ce que je peux être utile? Et enfin, où est-ce que je vais? Ces deux dernières semaines, je vous ai donc entretenu sur le potentiel. Comme je vous l'expliquais précédemment, pour répondre à la question du « qui suis-je ?», on regarde d'abord à ce qu'on a, à ce qu'on possède. D'où notre thème « Découvrir son potentiel ». Aujourd'hui, pour davantage étayer nos propos et développer ce thème ô combien important, je reçois un distingué serviteur de Dieu. J'ai eu le privilège de le rencontrer il y a plusieurs années et travailler à ses côtés sur quelques projets dont il a bien voulu m'accorder le privilège de prendre part. C'est un honorable et distingué homme de Dieu. Il aime les choses excellentes, les choses bien faites. C'est un homme de Dieu et j'aimerais qu'on bénisse le Seigneur pour ce Père. Il est le père fondateur des ministères Génération Jésus International. Il est le pasteur principal de l'église Chapelle des Conquérants. Il est l'un des leaders charismatiques et influents de la communauté des églises congolaises au Gabon. Il est écrivain, c'est un véritable passionné de la Bible, tant ses enseignements en termes de fond sont profonds. C'est un homme qui croit et qui soutient les artistes gospel dans leur ensemble. Je tiens personnellement sur ce plateau à lui exprimer, à lui et à son épouse, toute ma gratitude et ma reconnaissance à Dieu pour leur vie. Vraiment, je vous dis un vive merci. Merci de m'être favorable et de toujours m'accorder votre main d'association dans tout ce que j'entreprends. Encore merci pour votre confiance en moi. Et en cela, vous êtes de véritables parents.
Vous l'avez bien compris, il s'agit du révérend apôtre Gauthier Mbilé de la Chapelle des Conquérants. Aidez-moi à honorer Dieu pour de tels hommes. Homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonjour papa, merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous propose maintenant, avec nous, d'apprécier cette vidéo de Donnie McLurkin, qui en featuring avec Lynette Hawkins, il nous chante « Heaven sent me a wonderful, very special, beautiful gift ». That's Lynette, y'all. That's Lynette. Be grateful. Be. Oh yes. Oh yeah. And Walter wrote a song. And I loved the song when I first heard it. And then I had the privilege about 4 years ago of going to Oakland and to the Edwin Hawkins Music and Arts Seminar, and they sang this song. And Yvette Flinders sang it originally. But Lynette grabbed a hold to the microphone. And she did what every Hawkins knows how to do best. She killed it. She moited it. She destroyed it. And right now we're just going to sing. And I'm going to sing a little bit with her. And then when she gets too far from me, I'm going to back up and say, go ahead. Go on, girl. Go on. Hallelujah. Do we bless God for Donnie tonight? This is an anointed man of God. Praise God for you. Amen. All right. Song says, heaven sent me a special gift. Heaven sent me a wonderful, very special, beautiful gift. Heaven sent me a very wonderful, supernatural, special friend. Help me to say now. Very special, very special, beautiful, beautiful. Oh, my Lord. Heaven sent me a very wonderful, oh, supernatural, supernatural, Lynette Hawkins Steve. Special friend. Whenever I call him, he answers prayer. And whenever I need, and his love has higher than I thought I could ever be. Yeah. He is so wonderful, yeah. Beautiful, yeah. Special, yeah. Supernatural. Heaven sent me a wonderful, wonderful, you see, I have so many storms in my life. He walks me through. And the same thing that he did for me, he'll do for you. Hallelujah. He is so wonderful. Yes, he is. Yes, he is. He is natural. Hey, me. Very beautiful.
wonderful. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, merci homme de Dieu, merci, de m'honorer de ta présence. Merci de ce que toujours tu agis avec l'attention d'un grand frère. Tu agis avec l'amour d'un père. Tu agis avec le regard bienveillant d'un berger. Chaque fois que j'ai crié à toi, tu as répondu présent humblement. Je veux te dire merci. Merci papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Il n'est pas venu tout seul, il n'est pas venu tout seul, rassurez-vous, il est venu avec une charmante madame, une femme extraordinaire, dynamique, talentueuse, pleine de vie et d'éclat. Je l'appelle affectueusement ma maman à moi. Il s'agit de son épouse, son compagnon d'œuvre. J'ai cité le pasteur Lydie Mbile. Je vous prie d'acclamer le Seigneur pour sa vie. Maman, s'il te plaît, tu es magnifique. Laisse-moi t'embrasser. Alléluia.
C'est ma mère, c'est ma maman à moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette femme de bénédiction? Merci, maman. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Nous avons démarré ce mois, homme de Dieu, par un thème ô combien important, celui de découvrir son potentiel. Fort est de constater que de nos jours, il y a une multitude de gens pleins de talents, mais qui ne les déploient pas. Pourquoi ? Parce que peut-être on nous a enfermés dans un canevas, dans une forme de formalisme, dans des cadres, et les gens ne prennent pas conscience du fait qu'il faille se déployer. Et nous nous sommes donc appuyés sur ce verset biblique qui dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité. » Nous nous appuyons sur le livre de Matthieu 25, 14 à 30. Alors, révérend apôtre, dites-nous, comment vous définissez le talent, le don? Comment est-ce que vous pensez que le don, le talent, peut être découvert aujourd'hui dans notre saison? Merci, je rends d'abord grâce à Dieu pour cette émission et ce beau cadre. Amen. Et nous encourageons beaucoup cette chaîne de télévision, Canal 7, parce que nous croyons que si le travail est fait dans cette excellence, le ciel ne peut que s'ouvrir. Alléluia. Et les grandes bénédictions peuvent pleuvoir. Que les bénédictions pleuvent sur Canal 7, sur les actionnaires, sur les patrons, sur l'équipe, sur Croire pour vivre. Parce que moi, j'ai toujours cru que Dieu est dans l'excellence. Amen. Dieu ne s'est jamais présenté dans la médiocrité. Ce qu'il fait est bon et excellent. Lui-même, quand il créait même le monde, il finissait chaque jour par un sentiment. Cela est bon. Amen. Dieu aime ce qui est bon. Alléluia. Et nous voulons apporter toujours notre touche dans l'évangile. Parce que la Bible nous dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Chaque fois qu'il y a quelque chose où le nom de Jésus doit être glorifié, nous voulons donner ce que, le peu que l'Éternel nous donne, nous les mettons en contribution pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia, alléluia. Et je bénis donc cette opportunité que vous nous donnez de parler sur ce thème si important, je peux dire un thème d'actualité. Amen. Le talent. Et parce que la Bible parle de tout. Jésus-Christ a prévu de caser justement dans la parole de Dieu cette parabole des talents qu'il répète dans le livre de Luc, dans la parabole des mines. Parce que, évidemment, les talents constituent, avec les dons, je ferai une première différence entre les talents et les dons, ça constitue le potentiel que Dieu donne à un homme. Et moi, j'aime dire que le potentiel est le logiciel du ciel. J'aime ça. Le potentiel est le logiciel du ciel. Waouh. Waouh. Merci, Seigneur. Et Dieu met dans un homme les talents qui sont d'abord les capacités qu'on peut appeler naturelles. Naturelles parce que l'homme naît pratiquement avec cela. Tout à fait. Dieu met ça comme un dépôt intérieur dans un homme parce qu'en réalité, il a une mission. Amen, amen. Et pour l'accomplissement de la mission, il doit donner les moyens de la mission. Et les talents constituent cette capacité-là qui permettra à l'homme d'accomplir sa mission. D'accomplir sa mission. Et il y a donc cette partie qu'on peut appeler entre guillemets naturelle parce qu'en réalité, il n'y a rien de naturel. Tout est surnaturel. Amen. Et le naturel n'est qu'une expression du surnaturel. Et donc Dieu met les talents et il ajoute les dons. Les dons dans le sens spirituel du terme, ce sont d'autres capacités que l'Éternel vient ajouter quand une personne entre maintenant dans le monde du royaume des cieux, quand il croit en Jésus-Christ et qu'il entre dans son véritable parcours sur la terre, Dieu prend des capacités maintenant qui n'ont plus rien à voir avec un homme dans son environnement naturel, ordinaire. Mais des capacités que
l'être ne peut pas gérer par le naturel, c'est-à-dire des capacités surnaturelles, et qui agissent selon le surnaturel, qu'on appelle les dons, qui viennent donc se manifester dans l'homme pour que l'homme qui est entré dans le mystère du royaume puisse avoir une huile au-dessus de ses semblables. Au-dessus de ses semblables. Voilà. J'aime ça. Découvrir son talent. Comment est-ce qu'un homme pourrait découvrir ses talents? C'est-à-dire, quelle serait la première chose? Est-ce qu'on se lève un matin? Est-ce qu'il y a quand même des petites clés? Est-ce qu'il y a des choses peut-être qui sont récurrentes où on peut dire, bon, ça c'est un talent parce qu'il le fait souvent? Ou comment ça se passe de façon générale un peu en termes de talent? Vous êtes un grand serviteur de Dieu. Vous êtes, Dieu vous envoie dans les nations. Vous êtes quelqu'un qui est souvent exposé à des talents. Ouais. Quelle est la particularité? Déjà, la découverte d'un talent, c'est toute une école. Moi, je dis, ça commence par un désir d'être. Quand quelqu'un n'a pas le désir d'être, il lui sera difficile de découvrir ses talents. Alléluia. Parce qu'il peut même les voir en action sans jamais se rendre compte. Exact. Mais quand on entre dans cette interrogation intérieure, le désir d'être, qui suis-je? Quand on commence à entrer dans cette interrogation, on commence à observer certaines choses. Donc je dis, la première voie qui amène à la découverte d'un talent, c'est l'observation. La manière dont nous fonctionnons, la manière dont certaines choses nous réussissent, la manière dont certaines choses nous attirent. Parce qu'il y a dans le talent le côté de la passion. Tout à fait. Quand quelqu'un a un talent, même un don, manifesté par la puissance du Saint-Esprit, on sent une sorte de passion. C'est-à-dire on a la facilité, l'engouement, l'élan d'aller dans une sorte d'exercice. Exact. Et on se sent à l'aise en fait. Moi je dirais par exemple que l'art oratoire, parler pour moi, c'est une passion. Alléluia. Moi je dis que vous me donnez une heure d'émission, c'est trop peu. C'est trop peu une heure d'émission.